vous êtes les Smooch, chers enfants, le spectacle va commencer. Installez-vous confortablement, ouvrez grand les yeux et plongez au cœur d'une aventure merveilleuse en compagnie de Maya Lapey et du lutin Trick. Et pour que vos héros sachent combien vous les aimez, frappez dès maintenant dans les mains. Attendez un petit peu. D'abord, le roi du bar à lait, qui est un petit peu notre chef. Il s'appelle comment? Plop. Mais oui, c'est Plop. Et ce facteur endormi qui dort toute la journée, c'est... Dors-le-vous, bien sûr. Et cette jolie mamzelle qui bavarde sans arrêt. C'est Pipolette, hein, oui. Oh là là, il me manque vraiment beaucoup, mes amis. Mais pas question de perdre le moral et de me tourner les pouces en attendant leur retour. Non. J'ai décidé de moi aussi partir en vacances. Allez, à moi les vacances. Quoique, je dois quand même vous avouer que partir en vacances tout seul, je trouve pas ça très chouette. Non, la seule idée de faire cette longue route sans personne avec qui bavarder, ça ne m'amuse pas beaucoup. Et même ça me fait un petit peu peur. Non. J'ai décidé, je rentre chez moi. Pas question d'y aller. Oh, mais j'y pense avant que je m'en aille. Ça vous dirait de chanter encore une chanson avec le meilleur chanteur du Bois des Lutins? Hein? Oui? Ah, ça vous dirait une petite danse rigolote, là? Hein? Ouais, puisque vous insistez, on va tous chanter et danser ensemble. Allez, vous faites vite-vous. Hein? On va faire la danse de loin. Allez, tout le monde debout. Allez, on va faire les petites ailes comme une petite voix. Ah, ça c'est beau, hein? C'est pas dansé, c'est vrai, c'est pas ma main de pied. Je monte sur la table, c'est tout, mes mains sur les genoux. Je me trémousse, je me pousse, je danse et tournant. Essayez tous et tous, c'est facile et c'est bon, on y va. Oh,
les vacances, ce sera pour l'année prochaine. Ça y est, les plopeurs. Je n'y suis jamais venue. Oh, bonjour des amis, vous allez bien? Oui. Pourriez-vous m'aider? Tous mes amis sont partis en vacances et me voilà bien seule. Pour passer le temps, j'ai décidé d'explorer la forêt. Mais je me suis éloignée, et je me suis perdue. Dites-moi, sommes-nous dans un champ de framboises? Non. Sommes-nous dans une galerie souterraine creusée par mon ami Ben le ver de terre? Sommes-nous alors? Excusez-moi les plopeurs, je fais passer. J'ai oublié mon sac à dos. Ma chère Léa, qui êtes-vous? Bonjour, tu ne me reconnais pas? Non. Allons, tout le monde connaît mon nom. C'est pas... Écoute, les amis, criez mon nom. Je m'appelle... Bravo les amis. Maya, c'est bien mon nom. Oh là là. Je peux me présenter en chanson aussi si tu veux. Bah avec joie Maya. Elle n'est pas débarrassée. C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Oh là là. Elle n'a jamais peur de rien. Elle met de la joie sur son chemin. Je me présente à mon tour, je suis le lutin Brick, le plus beau, le plus fort et le plus courageux de tout le bois des lutins. Qu'est-ce que c'est que ce bruit effrayant? Ce n'est qu'une chouette. Une chouette? Ne me dis pas que tu as peur des corbeaux. Je n'ai pas l'habitude d'être tout seul au village, voilà tout. Je ne devrais pas non plus m'éloigner autant de la ruche, mais je suis si curieuse. J'ai tellement envie de tout voir, de tout apprendre, tout explorer. Ah bon? Et tu n'as jamais peur? Oh si, bien des choses peuvent effrayer une abeille. Mais ce qui m'effraie le plus, c'est l'ennui. Et sans mes amis, je m'ennuie un peu. Oh, comme je te comprends, Maya. Moi, c'est la même chose. Hein. Sans mes amis, je m'ennuie beaucoup même. Tous mes amis sont partis en vacances. Ils m'ont laissé ici tout seul. Ils sont partis à la mer, le troisième à la montagne. Bien sûr, je rêve parfois d'un petit peu de calme, c'est vrai. J'aimerais que Dordebout ne ronfle pas toute la journée, que Pipolette cesse de bavarder. Mais pourtant, je donnerais tout pour être avec eux en ce moment. Oh, mais Maya, c'est vrai, je te parle d'eux alors que tu ne les connais même pas. J'ai une idée, les plopeurs et moi, nous pourrions peut-être te les présenter en chanson. Hein? Hey, les amis, vous voulez bien chanter avec moi la chanson de Plop? Alors on va chanter ça. Écoute bien, je vais te montrer. D'abord, voilà Plop.
grande fête. Hein? Tu inviterais tes amis et je te présenterai mon ami Willy, Flip la sauterelle, Shelby l'escargot. Tu devrais également tomber sous le charme de Lara, qui est aussi vantarde que toi. Vantard? Mais je ne suis pas vantard du tout. Je n'y peux rien si je suis le meilleur lutteur de tout le bois des lutins. Vantard ou pas, je trouve que tu es quelqu'un de très amusant, Brie. Et moi, je te trouve sympa comme tout, Maya l'abeille. Oh, j'y pense. Il y a quelque chose que tu dois absolument connaître avant de te rendre à la ruche. Hein? Oh oui, c'est vraiment très important. Bah, quoi donc? Tu dois connaître la Maya danse. Veux-tu que je te l'apprenne? Tu verras, c'est très facile. Mais avec joie. Pour faire la Maya danse, il faut se tenir debout. Allez, tout le monde se lève! Tout le monde se lève, on va danser, la Maya! Même dans la salle! Allez! Voilà, très bien! Et... Ravie de te connaître. Et n'hésite pas à me rendre visite un de ces jours. Promis, promis.
Ah ben voilà les amis, Maya et moi nous devons partir maintenant, hein. Chacun de notre côté. Tout seul. En attendant que nos amis reviennent de vacances. Au revoir. Au revoir. Brick, j'ai une idée. Moi aussi, Maya, j'ai une idée. Dis-moi. Non, non, toi d'abord. Non, toi. Non, toi, toi, toi. Disons-la ensemble. Comptez avec nous, les amis. Un, deux, trois. Veux-tu que nous partions en vacances ensemble? Oh, nous avons eu la même idée. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce une bonne idée? Oui. J'ai rien entendu. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui. Ah ben dans ce cas, à nous les vacances. Allez Maya, on part en vacances ensemble. Youhou. Ah, oh, on est avant pour son âge, j'ai une idée. Pour célébrer ça, nous devrions chanter tous ensemble la seule, la vraie, l'unique...